Alors, le numéro 4, graphiquement, il faut faire attention si on a un miroir convexe et vous regardez la courbure est comme ça, donc mon objet sera placé à droite de ce miroir. On écrit. On place une bougie de 6 cm de hauteur. Donc, j'aurai mon HO à 6, placé à 8 cm, donc mon DO. Faites attention, miroir convexe, qu'est-ce qui se passe avec ma longueur focale? Elle sera négative. Donc, je place mon foyer. Placez-le du bon côté. J'ai un foyer ici à 4. J'aurais peut-être pu me donner un petit peu plus de lousse. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Mon foyer ici. Donc, j'ai 4. Je place à 8 cm. Donc, je vais y aller à peu près 2 fois plus loin. J'aurai un objet ici de 6 cm de haut. Je vais tracer mon premier trait. Donc, je m'en vais parallèle. Je frappe le miroir. Il ne pourra pas s'en aller vers le foyer comme ça, mais il se mettra en ligne et il repartira de ce côté. Mon deuxième trait. Je veux m'en aller vers mon foyer. Donc, si vous remarquez, je vais frapper mon miroir avant de me rendre. Et ce qui va se passer, c'est que mon rayon, lui, repartira parallèle. Comme il se passe toujours avec des miroirs convexes, mes deux traits réfléchis, celui-là en haut et celui-ci, ne se croisent pas. Ce que je devrais faire, bien sûr, c'est les prolonger. Donc, je prolongerai mon premier, je prolongerai mon deuxième. Et c'est important de prolonger les bons. Et bien sûr, on se croise ici. Mon image sera toujours à la même place. Hein? Vous savez qu'avec un miroir convexe, c'est toujours pareil. Mon image est plus petite, virtuelle, entre le foyer et le miroir, et bien sûr, hein, de ce côté-ci du miroir droit. Donc voilà pour le numéro 4 graphiquement.